Entouré de ses fidèles chroniqueurs, Cyril Hanouna présentait un nouveau numéro en direct de Touche pas à mon poste lundi 20 février sur C8. Durant l'émission, l'animateur a évoqué le cas de l'influenceuse Kenza Poupette, qui a récemment été placée en garde à vue pour soustraction par le parent d'un enfant mineur sans motif légitime à ses obligations légales compromettant sa santé, sécurité, moralité ou son éducation. La jeune femme est par ailleurs visée par une enquête pénale pour des faits qualifiés de soustraction par le parent d'un enfant mineur sans motif légitime à ses obligations légales compromettant sa santé, sécurité, moralité ou son éducation. Si est dit par téléphone que Kenza Poupette est intervenue dans l'émission de Cyril Hanouna pour tenter de se défendre face aux accusations dont elle fait l'objet. Il n'y a aucune maltraitance envers mes bébés. Les réseaux sociaux ont eu un énorme impact dans cette affaire et il était très mauvais. Ils sont responsables à 90% de ce qu'il s'est passé. Si est-ce une affreuse image qu'on vient de me coller. Tout ce qui a été dit est totalement faux. Si est-ce tellement injuste. Je suis une bonne maman. Je ne suis pas une maman parfaite, mais j'ai tout fait pour eux. Je n'ai jamais fait de mal à mes enfants. Un jour, la vérité éclatera. Je ne veux pas qu'on me salisse. Ils m'ont détruite et si est-ce tellement injuste, a-t-elle affirmé avant de fondre en larmes. Cyril Hanouna sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui vont les attaquer par la suite, Cyril Hanouna a tenu à pousser un gros coup de gueule contre les réseaux sociaux. Je le redis, les réseaux sociaux si est-il le fléau de ce siècle. Si est-il une catastrophe. Je pense que les mecs qui sont à la tête des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook si est autre chose. Facebook si est bien. Je trouve qu'il y a un bon régulateur, ça n'a rien à voir. Les mecs, ils vont avoir des comptes à rendre bientôt. Et je peux vous dire, qu'il y a beaucoup de gens qui vont les attaquer. Je pense qu'ils vont devoir beaucoup d'argent, parce qu'à un moment, ce n'est pas possible ce qui se passe sur les réseaux. Si est-ce insupportable, a déclaré l'animateur. Cheers.